Allô? Allô, Yaya. Maman est morte. Quoi? Maman est morte. Elle est morte avec le poivre. Quoi c'est? C'est tellement loin, et tout bascule en une seconde, un avenir incertain. Tu brilleras parmi les étoiles, tu veilleras sur les tiens. Sur terre pour quelques heures d'escale, puis ensuite tout s'éteint. J'ai quelqu'un tout là-haut, arrivé bien trop tôt, qui rend mon ciel plus beau et me guide quand j'ai tout faux. J'espère que tu vas bien de l'autre côté, perdu de te savoir si loin. Maintenant tu brilles tout là. Bon, comme je disais la famille, en ce moment, je suis un peu chaud dans mes bricoles. Je suis un peu partout, donc je n'aurai pas suffisamment de temps pour m'occuper de mes nièces et mes neveux. Oui. Si maman Mado pourra s'occuper d'eux, ça devait m'arranger quoi. Comme ça, dans mes petits bricoles, je pourrais avoir 1000 francs, 2000 pour envoyer aussi, pour compléter les kilos de riz. Ça va m'arranger. Ah, mon petit, le seul conseil que je peux te donner, le père n'est plus, la mère n'est plus. Il faut t'occuper des enfants. Hein? Mm-hmm. Faut pas abandonner les enfants pour que demain, on dise, oh, l'enfant de tel, attend quand le père, les parents vivaient, tous partaient à l'école. Hein? Donc, essaie de te battre pour tes enfants. Oh? Mm-hmm. Ah, faut pas qu'ils deviennent bandits. Hein? Mm-hmm. Ça fait pas bien. Oh? Mm-hmm. Voilà, c'est toi l'homme. Donc, aujourd'hui, c'est toi tout. Oh? Hein? Le père et la mère, c'est toi. Hein? Voilà, il faut penser aux enfants. Ok, je vais encore faire comment? Je vais accepter. Ce sont les enfants de ma soeur, je vais encore faire comment? Ils n'ont plus de mère, père, je ne sais pas. En tout cas, j'ai accepté. Et vous là, la belle vie, ce n'est pas ici chez moi. Ce que vous faites chez votre mère là-bas, ce n'est pas ici. Oh. Mettez-vous debout, je vais vous aller, je vais vous aller. Je vais laver les chaussettes là-bas, allez-y. Quelqu'un dit, il ça sauce même pas, qui est bien au cas de moi, elle m'a dit, c'est Cindy. Oui, maman. C'est là, ils sont dans la chambre, ils sont en train de dormir. C'était pourquoi, maman? Attends. Donc, depuis le matin, les assiettes ne sont pas lavées et ils dorment encore. La belle vie de leur mère, là, elle est déjà morte, c'est pas chez moi, oh. Moi, c'est maman, Mado. Oh, vous là. Oh, oh, réveillez-vous, réveillez-vous, il est 6h, il est 6h, là. Les assiettes sont sales là-bas, à la cuisine. Réveillez-vous, réveillez-vous, mais oh, monsieur. Oui, maman Mado. Madame, réveillez-vous. La belle vie, c'est pas chez moi. C'est pas chez moi, la belle vie là. Réveillez-vous. Réveillez-vous, oh. Vous avez compris, la belle vie, c'est pas chez moi. Réveillez-vous.
Allez, c'est pas la cuisine. On doit dans la salle. Comment, toi, tu vas aller dans le salon. C'est la lave des assiettes. Allez, allez, allez. J'ai dit, il est 6h. Il est 6h. Je dis, il est 6h. Ta mère est morte. Moi, c'est ma mère. Je rappelle que je suis atteinte de votre mère. Votre mère est morte depuis. On l'a enterrée. C'est pas chez moi que vous allez faire la belle vie là. Levez-vous. C'est pas chez moi. Les gens sont sales. Il est 6h pour demain. Toutes ces assiettes seules. Oui, moi, ici, moi, je n'ai pas les ménagères. C'est pas là où je suis leur mère, là, il y avait les ménagères, les gardiens partout là. La belle vie là-bas, c'est pas ici chez moi. Elle ne peut pas laver les assiettes seules. Je vais aller. Pourquoi? Non, je pars. Pourquoi? Reste là! Tu pars où? Viens là. Mets-moi mon vénage là-bas. Oh! Alors, j'avais les coussins. Et dis, mets-moi mon vénage là-bas. Tu vas arracher tout le temps, arracher, c'est quoi? Je vais mettre. J'ai dit, hein? Je parle avec qui là? Moi, je vais encore faire la télé là, comment? Moi, je ne connais pas ça. Cherche la télécommande, c'est pas la chute là. Cherche la télécommande. Ah, regarde, c'est là. Tu fermes ta bouche, tu as compris, non? Non, je peux pas fermer. Parce j'ai dit, ferme ta bouche. La commande est juste là. J'ai dit, ferme ta bouche. Tu dis quoi là? Tu parles quoi? Tu veux dire quoi? Hein? Excuse-moi. Bon, okay. Viens, mets-moi une vénère là-bas. Attends, on dépose. Viens, il dépose là-bas. Mais prends la télécommande. Il met une nouvelle as. 33, 34, tant pour moi. Je laisse la télécommande conduire à balayer. Tu vas prendre la serpée là-bas à la douche. Oh, maman. Tu as dit que tu fermes ta bouche, tu comprends, non? Marco! Oui? Oh, mais c'est comment l'heure tu reconnais la maison? Eh, hey, Marco, je suis là, oh, je ne dors pas. Oh? Eh, hey, Marco! On dit quoi? Lamba! Ça peut nous laisser là, je suis, pas de nouvelles, rien. C'est comment? Maman, elle te dit que. C'est que les enfants me font la pande. Tu m'as dit que c'est toi qui as pris la garde des enfants. J'ai pris la garde des enfants de ma soeur qui est morte avant-hier, là, je te dis que non. Il dort à 6h. Et la fille me dit non. Non, chez nous, on dormait même jusqu'à 10h. C'est maman qui faisait tout. Mais elle est bien chez nous. Ici, là, c'est chez nous. Je dis, maman, moi, c'est maman Mado. Ta mère, là, elle est morte. Si tu t'es réveillée à 10h, je ne sais pas. Moi, ce que je peux te dire, que là, dedans, il n'y a pas de bénéfices, Marco. Tu vas garder jusqu'à. C'est pas ce que je vais faire là. Travail. Tout cela, on a connu ça. Donc, si toi, tu veux rester là, dedans, pour t'occuper de ça, maman. Même les parents ils ne vont jamais reconnaître que tu as grandi. Donc, si tu as l'opportunité d'appuyer, tu appuies. C'est parce que j'ai dit un peu la Marco. Ah, moi, je te l'ai dit, parce que ça là, ils ne sont jamais reconnaissants. Que ce soit les enfants, que ce soit les parents. Ce sont eux qui vont dire oh oui, quand on était là-bas, c'était comme ça. Quand on avait. La belle vie qu'ils vivaient là-bas chez leur mère là-bas. Mais c'était avant. Ouais, ils vont bien souffrir. Ça, c'est ce que tu racontes à la bouche. Ça, je ne raconte pas la bouche. Ça, là, tu passes à l'acte. Au matin, comme ça, là, tu te réveilles sur le bidon. Donc, fou, tu la mouilles, il se réveille. Tu n'as pas besoin de rester là, tu veux que tu te dis, non. Qui va te redonner ça? On récompense personne. Donc, j'ai compris, Marco. Tu as pu. Et sur ta fille, elle va bien. Elle va bien, elle est là-bas, ça va. Pourquoi? Moi, je suis là. Comme ça, fait un peu longtemps, là. Je vais prendre un peu de nouvelles. Bonjour, c'est la princesse de la maison, c'est pas les esprits que tu es parti ramasser là pour venir assumer. Même pas, les démons. Ah, il est jusqu'à 6h. Les chefs. Non, jusqu'à 7h, 8h chez nous. J'ai dit, moi, vous savez, les ménageurs sont restés là-bas. Chez moi, je n'ai pas les ménageurs. Ils font quoi là, mais c'est pas là où ils avaient la machine à laver. Où le grand monsieur petit télécommande, tic-tic, c'est pas ça. Arrêtez un peu. Tu as compris, non? Maman, tu ne connais pas la réalité des choses, hein?
la famille africaine. C'est pas autant il faut parler mal des enfants ça, des soeurs. J'ai dit, toi tu fermes ta bouche, lève-toi déjà. Là-bas, lève-toi. Que la soeur faisait quoi? Que la soeur faisait quoi? Ah, tu es bien. Oui. On a été chanté de maltraiter les enfants d'ici là, partout, partout, là, donc c'est vrai. C'est notre petit frère. Hein? C'est qui? Le dernier. Donc tu es chanté de venir. Mais le champ qui fume là. C'est comme ça que les enfants en sortent. Quelqu'un est normal, ton petit frère, il va te dire un peu. Elle est pas comme ça, elle est qui? Elle vient dans la maison des gens pour congosser les enfants déjà quoi. Si tu ne voulais pas garder les enfants de la défunte, il faut dire non, qui t'a obligé? J'ai dit toi, depuis que la danse est partie, tu viens de donner quoi ici, toi? Donner quoi? Qui t'a demandé? On t'a pas forcé, on t'a pas les engagements, maman. On t'a pas forcé. On ne t'a pas forcé. Ils sont même nous. Madame, je ne t'ai pas adossé la parole. Vous n'êtes pas. D'abord, vous faites même quoi chez moi ici, là même? Elle fait quoi ici chez moi? C'est ta copine. Elle n'est pas venue ça pour congosser des enfants de la défunte. Je ne veux pas ça, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, j'ai dit je n'aime pas ça. Est-ce que c'est normal les choses que tu fais comme ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal ce qu'elle fait comme ça? Elle est venue parler. Tu vas encore payer ton école. Maman, c'est ce qu'elle fait. Demande à ton nom qui parle de tous les matins, réveille les enfants. Non, moi ça me dépasse. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est ça, je n'aime pas. Je te dis que je ne suis pas d'accord. Demande à lui là. Vous parlez même de quoi? Maman, parle de quoi? Non, maman, c'est pas sérieux. Donc, c'est un esprit qui doit avoir une nouvelle maison. C'est une nouvelle maison. On fout aucun de chez toi. Ok, passe, fous le champ. Sors, sors. C'est l'esprit du champ. Quand tu vas comme ça. Et toi, la chambre, la personne doit te payer le taxi. C'est pas grave. C'est pas grave. Les enfants, c'est ce que tu fais, c'est pas bien, on ne fait pas ça.
Tous les matins, tu réveilles les enfants pour laver les assiettes, faire ceci. Moi-même, je suis là, je peux bien le faire. Mais tu pouvais réveiller les enfants de ta soeur. Tu comprendras ça un jour, ma fille. Non, non, t'as dit, ne faut pas dire ça. Toi, tu prends la part de ta soeur. Je dis à toi, quand tu passes au bac, ma fille. Mais même si, maman. Tu comprendras ça un jour. C'est pas maintenant, tu comprendras ça un jour. Tu comprendras ça un jour. Pardon, j'ai pas de mots. Tu as dit même pas encore un mot. Ça commence à chauffer dans la maison. Si c'est comme ça, comme ça, une autre soeur va récupérer ou bien un autre frère. Parce que si c'est comme ça. Tu vois, je le voyais là, c'est qui parle debout, debout. Je ne sais pas si il fait lui-même la voie, il a une vie. Même lui-même, sa propre vie là, c'est difficile à gérer. Donc, c'est la vie de deux personnes. Il va s'ajouter que. Même pour ma manger là, c'est juste chez moi. On va faire pour parler quoi. C'est ça. Mon mari est fatigué, hein, pardon. Il est c'est lui qui vient tout. C'est sur moi, tout, c'est sur moi. Imagine que si je ne bricolais pas. Mais attends, ils n'ont pas laissé le compte en banque. Ah, je connais que quoi. La bonne vie. Tu vois. Pour un temps. Voilà. En tout cas. La maison est en train de chauffer. Quand je veux partir, où je laisse aussi les enfants là seuls là-bas. Moi, c'est un peu là, je suis ma tu sors, tu laisses tes. Eh, ma. Je les jumeaux ferment. Ils vont rester dehors. T'as un jumeau qu'on t'a emmené ici, tu vois, ils vont rester dehors. Je les pomme devant la main. Oh, madame. Madame. Depuis 6 heures que tu es là, il est déjà 8 heures. Pour 2 ou 3 en fait, que tu n'arrives pas à laver. Elle c'est toi, même pas tu fais tout. Elle a fait quoi? En tout cas, moi, tu es malade, toi. Je ne suis pas malade. Hein? Tu n'as pas cours aujourd'hui? Non, non. Je ne peux pas m'aider. Lève-toi, quitte-la. Venez, quitte-la. Quand tu vas mettre l'eau là. Tu es têtu, oh? On ne tape pas le. Quitte-la. Il n'y a pas de machine. Tu vas m'enlever tout ça. En tout cas, Marco. Tu vas m'enlever tout ça. Je suis en train de me tirer. Occupe-toi de tes soucis. Je vais te demander. Tu sais, maman, en fait, je ne comprends pas son attitude. Elle a tellement changé que je ne sais pas. C'est comme si elle n'a jamais aimé sa soeur. Ou aimé les enfants de sa soeur. Non, je suis dépassée du comportement de maman qu'elle fait. Ça va aller. Je suis là toujours. Hein? Ok. Bisous. Je pars de ma chambre, tu viens me retrouver. Ah, Rael, du courage, oh, ma fille. Anano, tu as eu le dîme de Ghana. Parce que tu es à Banbagan. Tu es à Silban Bani, Kabou, tu es à Sanal. Je vais à Sanal, à Sanal, à Moana, à Pou, tu es à John, du courage, oh, sous le sang. Le travail, tu vas y coller. Pour dire le dawa, oh, pour le meilleur, on a Banbam, on a dit au livre. Il y a beaucoup de bananes. Pour faire l'école, tu as compris ma fille. Voilà. Reste là, vous maltraitez. Elle ne sait pas quoi, oui, les enfants qu'on maltraite. Après là, c'est l'avenir. Laissez-la, elle n'a qu'à bien vous rendre belle. Laissez-la. Bon, elle, tu as compris ma fille. Laisse-la, oh. Arrête de maltraiter les enfants des frères et de la soeur. Elle n'aimait pas écouter. Tu as vu maintenant, hein? Ça retombe maintenant sur elle. Je dis, quand on dit de ne pas pécher, tu as vu. C'est là où elle me poussait. Hein? C'est ici qu'elle me poussait. Va, oh, voici, tu n'es pas venu ici pour faire le Congo ça. Voici maintenant les conséquences de la vie. Hey, tu n'as encore rien eu. Tu as tes oises avec nos pieds là. Ça va bien pourrir. Voici.
voisine, tu as vu hein, les mauvaises choses que tu faisais. Tous les jours, laisse moi te dire que voisine, non, ne fais pas ça. Tu ne viens pas m'écouter. Tu me disais, oh, le Congo ça, le Congo ça. Moi, c'est bien là. C'est pas un faisait rupture. C'est bien, c'est pas le vampire que tu as montré. Tu as vu hein, c'est bien tout. Mais là, ça t'a montré. Mais là, les enfants, et ta soeur, ah, de fausses soeurs. Ta fille est maintenant là, elle n'a pas eu le bac. Celle que tu glorifiais ici, oh ma fille, elle ne doit pas aller à l'école, elle n'a pas les cours. Comme ça, tu as vu, hein? Ça retourne maintenant sur vous. La mauvaise compagnie, hein? Moi qui venais, moi ta propre soeur, ta propre copine, tu m'ignorais maintenant. Tu me chassais, tu préfères recevoir l'autre copine qui venait maintenant ici et donner la mauvaise tête. Ma chérie, il faut maltraiter les enfants d'état de fin de soeur. Tu as vu, hein? Tu as vu maintenant le mal, hein? Hey, trop tard, ma chérie. Demandez pardon à Dieu. Ça vous dit de ne pas faire le mal. En tout cas, vieux, on verra si Dieu peut te pardonner. Je n'ai pas, même ce que j'avais, je ne vais te donner. Je ne vais pas te donner. Bon, les enfants de ta soeur deviennent maintenant importants pour toi. Tcha, ta fille, elle est là. Elle peut s'occuper de toi. Elle n'a pas de copains pour s'occuper de toi. Même ta petite fille, tout ça là, tu ne voyais pas ça. Et que nous, je ne dois pas faire le mal à l'enfant de toi. Aux enfants des mal de fausses soeurs. C'est ici que tu l'as maltraité, faire laver les assiettes, aller au salon essuyer le sol, comme si c'était même les enfants de l'autre. Alors que c'était les enfants de ta propre soeur. Ça va, maman bien. Maman Mado. Merci, papa. Félicitations, mon fils. C'est le barco. Après, on a bien. Et maman m'a dit que c'est une cuisine. Mais, je te dis que je ne sais pas où c'est une cuisine nocturne. Déjà, maman m'a dit. Tu as oui. Là, du coup, dis-moi de m'appeler ma bonne. Hier, on est où c'est ça. Là, moi, c'est ça. Là, tu es où tu es. Combien de fois le karma existe, ça existe. Merci. Voilà mon ande lili. Na mon amute oula. Mon ande ça, mon ande ça m'a dit ne bak. Ne baba mon mère, je os bak na baba ati. Ngujama ne mulo amalo ma bivu, ngujama ne mutele gida. Madou, moi je te pardonne. Mais la vie là, je n'ai rien en moi, Madou. On va chercher à te traiter ça, je ne sais pas. Donc, qui vous connaissez? Oui, j'ai dit qu'il y a un charlatan vers Rio là. On va partir là-bas, on va l'amener. On va voir ce que le charlatan pourra faire. Mais c'est la liste, hein, mon fils. Vous n'avez pas un problème. Il faut faire la liste. Maintenant, il va vous demander de payer un peu des choses pour enlever ça. Ça fait combien de temps qu'elle a ça? Parce que nous sommes quittés d'ici, ça fait très longtemps. Et donc, ta robe là. Ah, c'est ce qui, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu habiller aujourd'hui pour recevoir mes fils. Pour les recevoir un peu avec la bénédiction. La robe là a trop dur, il faut aussi changer ça. Oh. Mais mes fils, je garde ça bien. Est-ce que c'est percé, mes enfants? Non, même pas. Ah. Maman Mado, il faut changer. Maman Mado, on va t'aider. Elle s'appelle comment Cindy, il ne faut pas. Ça va aller. Tu t'envoles vers un autre monde, pour nous c'est tellement loin, et tout bascule en une
une seconde, un avenir incertain. Tu brilleras parmi les étoiles, tu veilleras sur les tiens. Sur terre pour quelques heures d'escale, puis ensuite tout s'éteint. J'ai quelqu'un tout là-haut, arrivé bien trop tôt, qui rend mon ciel plus beau et me guide quand j'ai tout faux. J'espère que